Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Evelangela. Aujourd'hui nous sommes sur les Sims 4, la vie de Carla, notre scientifique. Nous voici donc de retour avec Carla, notre scientifique. Il est mercredi, il est 8h, on commence à travailler à 10h. Donc encore il nous reste un peu de temps pour faire notre petit train-train matinal, pour se préparer à aller au travail. Donc peut-être aujourd'hui nous aurons notre petite promotion, vu qu'on a fait nos 6 découvertes. On va vider le mur, parce qu'il est plein. Donc là, petit instant de détente pour notre Carla avant d'aller au travail. Donc là, on va avancer un peu et on se retrouve après. Et voilà, on peut rejoindre. Donc aujourd'hui, journée tranquille, on a notre jauge en haut, notre liste de tâches. On va pouvoir commencer tranquillement. Donc là, on va aller demander un cristal à un collègue, bidouiller un ordinateur et faire un sérum de parfum rose. Donc le sérum de parfum rose, il va nous falloir des roses. Donc on va aller en chercher pour pouvoir en faire. Notre rosier, il est où? Il est là. Allez, on récolte et c'est parti. Alors, allez Carla, au travail. Donc le sérum, c'est bon. On va bidouiller l'ordinateur. Et il nous faut un collègue. On va demander donc à Sébastien un cristal. Allez Carla, on croit en toi, te fais pas griller. Pandola. Allez, fais-nous ton petit sérum. Quel suspense. Ouais, GG Carla. Où est-ce qu'il va? Eh, Sébastien, il est de l'autre côté. Il est où? Il est parti où encore? Non mais sérieux, je vais le retirer ce banc. Pourquoi il va s'asseoir là? N'importe quoi. Bon allez, va demander un cristal. Et bidouiller l'ordinateur. Donc là, on a inventé un conservateur d'impulsion, bidouillé un ordinateur, on est en train de le faire, et discuter du travail avec Annabelle. Donc là, on lance le conservateur d'impulsion, on va aller discuter du travail avec Annabelle, et on va lui demander un échantillon d'ADN pour la science.
Yishla. Rinishoop. Shishtawab. Shinoi. Yibs. Donc, le travail, c'est OK. Il nous reste l'ADN. Ah, donner un sérum non testé à un collègue. Bon, on va lui donner un Abel, hein. Kamputu. Elle a goûté. Ouais, c'est pour la science. Donc là, on a analysé un échantillon de plantes au microscope. Oux, Zamboskiba. Zubatube, love Zubi. Kiren nous fait une blague. Ah, c'était doux. Bon, les sérums, c'est pour après. Elle est partie faire donc le conservateur d'impulsion. Donc là, il est presque 4 heures. Notre bidouilleuse junior, eh ben, se débrouille pas mal. Elle a bien avancé. Il n'y a pas eu de catastrophe. Ce qui est pas mal aussi. Elle s'est pas fait cramer. Elle raconte sa vie avec le... Le robot. Gentil robot, ils vont devenir meilleurs amis, hein. Faudra qu'on potasse un peu ses relations. Ah, il est d'accord avec elle en plus. Ah, ils auraient pu fournir quand même un masque de protection avec les étincelles fumées, hein. Carla, elle doit manger. Quelle autorité, hein. On avance. Voilà, c'est fini pour le conservateur d'impulsion. Donc là, on va donner le sérum testé. Voilà, Annabelle, elle a avalé le sérum non testé. Là, on va arrêter peut-être d'avancer rapide. Bah, tu vas à l'ordinateur. Donc, analyser un échantillon d'une plante au microscope. On va aller arroser une plantes et préparer un sérum de nourriture synthétique. Alors, une plante arrosée. Il y en a une là. Voilà. Donc, on va rester un peu plus tard, histoire de finir un peu plus de tâches. Nous sommes très professionnels, très concentrés actuellement sur notre carrière. Donc, le sérum... Et là, maintenant, on a travaillé sur une fine pendant 10 minutes et demandé un métal à un collègue. Elle est où? Elle est là. Donc, on a un peu faim, hein. Il va falloir qu'on s'en restaure un petit peu. Donc, tu vas manger ton petit sandwich. Après ton sérum. Il y a Kira qui fait une pause, tiens. On s'est même pas présenté. On va se présenter à Kira, comme ça on lui demandera le métal. Alors. Bah dis donc, Carla, tu deviens la pro du sérum. GG ma grande, t'as encore réussi ton sérum. Allez, dans la poche. Allez, c'est parti, on va se présenter à Kira. Ok, où tu vas encore? Non mais sérieux, je vais le retirer ce bon. Pourquoi elle y va pour s'asseoir et se lever? N'importe quoi. Bon, Kira, t'es où? Kira,
Grimur. Elle est là. D'accord, elle veut pas. Elle veut pas. Oui, elle a très faim, hein. Bon, on va la laisser chercher son petit casse-croûte. Kira s'en va. Donc c'est cuit pour demander un métal à un collègue. Ouais, en plus, on termine le travail dans 1 heure, donc là, on va se la faire tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on aura le temps de faire l'aérolampe? Je suis pas sûre. Bah tiens, on va discuter avec Annabelle, hein. Tiens, demander comment s'est passée la journée. En tout cas, notre sérum, il a bien fonctionné. Annabelle est enjôleuse. Son mari qui va être content quand elle va rentrer du travail, elle sera de bonne humeur. Donc, un petit tour aux toilettes avant d'avoir un accident de vessie. Il nous reste à peine 20 minutes, donc c'est vraiment tranquille. Je sais même pas si on va avoir le temps d'arriver aux toilettes avant que notre journée se finisse. Bon, un peu d'intimité pour les toilettes, hein. Je vais pas faire la suivre. Hein. Bon, on a fini notre journée de travail. Notre promotion, ben, on l'a pas eue, mais on a gagné un jour de congé supplémentaire. Le voici de retour à la maison. On va la faire discuter avec, tiens, avec Roxy pour augmenter un peu son divertissement. Il est 21h15. Qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Voilà, c'est tranquille. Elle aura passé une journée tranquille au travail. Rien de grave s'est passé. Elle va manger un petit quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Macaroni au fromage, portion individuelle. Alors si elle rate les macaronis, c'est qu'on est vraiment pas doué en cuisine, hein. On ira chez le traiteur, hein. Donc là, ça l'a fait augmenter son social, hein, qui était un peu plus bas. On va avancer un peu. Faudra vraiment faire quelque chose à cet appartement. Il n'est pas très joli, je trouve. Pas très cosy, ni à l'image de notre très chère Carla. Allez, Carla, fais la cuisine. Non, mais il faut tenir la queue de la poêle quand tu mélanges, chérie. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est macaroni au fromage. Normal, c'est bien, tu peux manger alors. Tu vas pas t'empoisonner. Elle est satisfaite en tout cas, hein, toute contente. Allez, mange des macaronis. On dirait un petit hamster quand elle mange là avec ses joues. Donc là, les compétences. Qu'est-ce qu'on s'est dit? Non. Non. On a commencé à monter la physiologie. La logique niveau 3. Programmation niveau 2. Ah, tiens, c'est l'heure de faire dodo. Allez, bonne nuit, Cara. On se retrouve plus tard. Fais de jolis rêves. Non, sérieux, il se passe quoi là? Non! Les Grimmins! Ils ont tout cassé!
C'est la cata. Faut tout réparer. Ah la vache, ah, l'évier, la cuisinière, le frigo, l'ordinateur. Qu'est-ce que tu vas lire, toi? C'est pas le moment, là. Appelez le réparateur au secours. Contactez le service de réparation. Non, j'ai pas le temps. SMS entrant, j'ai pas le temps de répondre. C'est le chaos à la maison. Moi, bon, répare l'ordinateur. Oh, la télé aussi. Oh, pétard. Ouais, y a tout qui est passé, quoi. Tout le high-tech. Ah bah tiens, on a amélioré notre compétence. Par contre, pour la cuisinière, je suis pas trop chaude pour essayer de la réparer. Hein. Parce que y a de l'eau par terre. Ça fait des étincelles. J'ai pas trop envie que Carla elle se fasse électrocuter. Donc je crois que pour... on va peut-être un petit peu appeler le réparateur pour qu'il vienne nous filer un petit coup de main. Oh la vache. Allez, contactez le service de réparation au secours. Carla en détresse. Où tu vas là? Mais te colle pas à la cuisinière, t'as pas vu qu'il y a des étincelles? Tu vas griller comme un toast. Mais sérieux, qu'est-ce qu'elle fait encore chez moi celle-là? Génial, en plus t'as les factures qui viennent d'arriver, c'est le total. Bah vas-y, jette le truc en plein milieu du salon, toi. C'est normal. Carla, t'es partie où? Viens ici. Va essayer de me réparer cet évier. Bon, le réparateur devrait se pointer. Donc là, on va essayer de réparer ce qu'on peut. Oh pétard, en plus c'est bientôt l'heure d'aller travailler. Et cette porte, qui, y a tout le monde qui rentre là comme dans un moulin, c'est pas possible. Donc, faut pas oublier, notre appartement a une caractéristique des Grimmins. Et ben, ces gentils petits Grimmins, et ben, ils nous pètent tout. Mais tout de chez tout. Youpi. Ouais, on va essayer d'éponger un peu, hein. Oh, le carnage, quoi. Et en plus, on va travailler sous peu et on a faim. Oh là, début de journée complètement pourri qu'on se tape. Donc c'est tout pour cet épisode avec Carla la scientifique. Après ce petit incident dans son appartement, on se retrouvera donc dans l'épisode prochain, où on la retrouvera donc au travail pour la suite. Je vous remercie beaucoup de suivre ma chaîne. Un petit like si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!